À toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo swatch. Alors on se retrouve pour swatcher la palette Tamix de chez Makeup Revolution. Donc c'est une palette assez colorée, mais qui est très jolie. Je vous mettrai le lien de la palette en barre d'infos. Il y a 20 fards de 95 grammes, de 0,95 grammes, pardon, et 3 fards de 1,1 gramme. Voilà, donc j'espère avoir arrivé à l'ouvrir. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est rose gold, comme la Soif Loss of X. Voilà. Alors, je sais pas dans quel sens je vais mettre les swatchs, les vidéos swatch, hein, je vous le dis. Donc voilà, elle s'ouvre comme ça. Il y a un miroir. Et par contre, là, vous n'avez pas le nom des fards sur les fards. Vous avez un petit plastique comme ceci. Donc je vais essayer de vous donner les noms, etc. On va commencer sans plus tarder. Vous voyez qu'elle est assez colorée quand même, hein. C'est une palette assez colorée. Voilà, donc on va Pas que commencer. la vidéo dure trop longtemps, donc je vais commencer par le premier, c'est le Pina Colada. Je me suis mis un peu loin pour mes swatchs quand même. Voilà pour le premier, qui est un beige. On a le deuxième qui est le Queen Lou. Wow, très joli celui-là. Magnifique. Ensuite, on a le deuxième qui est le Tropical, je sais pas comment le dire. Voilà. Voilà. Ensuite, l'autre, c'est le celui d'après, c'est le Coraline. Ensuite, on a le exotique. Je sais même pas pourquoi il est appelé comme ça parce qu'il est banal. Voilà. Je suis encore désolée pour le bruit de tondeuse et tout. Ils ont décidé de passer la tondeuse aujourd'hui. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà les premiers. Voilà. Ensuite, on continue. On a le Caribbean. Très beau rose. On a le Purpy Purps, un beau violet. Il lui manque un peu de pigmentation quand même. Voilà. Manque un peu de pigmentation pour celui-là. Ensuite, il y a le Treasure. Treasure. Non, on m'a perdu. Voilà, très bien pigmenté. De toute façon, les irisés ils sont très bien pigmentés. On a le Adventure avec mon accent magnifique. Très bien pigmenté celui-là. Voilà. Et pour finir la ligne, on a le Rage Salt. Salt, pas comment ça se dit. Voilà. Voilà un peu. Voilà un peu. On attaque la deuxième ligne. Donc nous avons le Moonlight. Très bien pigmenté. On a le Enchanting. Également bien pigmenté. On a le Burning Heart. Il se ressemble pas mal avec celui d'à côté, mais celui-là, il a plus d'une teinte orangée. Un peu plus dans les tons orange. Ensuite, on a le Majestic. Voilà.
Il ressemble pas du tout au violet. Hein. Il y a... Ça y ressemble, mais pas vraiment. On a le Carnival. On a le Golden Sand. Non. Le vert, pardon, c'était le Paradise. Paradise, le vert. Ensuite, on a le Carnival qui est ici, que je suis en train de swatcher. Voilà. Je me suis emmêlé les pinceaux, désolé. Hein. Ensuite, on a le Golden Sands qui est un doré jaune. Voilà. Ensuite, on a le Rainforest. Voilà. Qui a un vert sapin un peu foncé. On a un bleu qui est le Waterfall. Vous aimez mon accent, hein. Voilà, très bien pigmenté. Et on a le noir qui est le Midnight Stroll. Voilà. Je vous fais voir un peu tout ça. Vous avez une multitude de possibilités de make-up avec ça. Magnifique. Et il en reste trois en bas. C'est le Coconut Cream. Donc un crème. Hein. Vous allez peut-être pas le voir. Il se rapproche vachement de la peau. Il est là. On ne le voit pas. Vous avez le Nutmeg. Qui est ici. Voilà. Et vous avez le Ice of Spice. Qui est ici. Voilà. Voilà pour la vidéo swatch sur la palette Tamiya X de chez Makeup Revolution. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!